Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient du Bénin, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Il est ancien ministre et aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle de son pays. Monsieur Richard Senou est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, comment se porte votre pays, le Bénin, aujourd'hui? Ben, le Bénin se porte comme un pays qui a été dominé essentiellement par la malgouvernance pendant une dizaine d'années et qui se prépare à aller à l'élection présidentielle avec tout ce que ça comporte de rejet et d'acceptation. Donc, en gros, c'est ça la température du Bénin politique aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dissocier, disons, la santé du Bénin de sa santé politique et sociopolitique surtout. Bien entendu, je rappelle à la gouverne de nos téléspectateurs que vous avez été ministre et vous avez dirigé le département des travaux publics et des transports. Alors, est-ce que les choses se passaient toujours comme ça, la malgouvernance dont vous parlez, c'était toujours le cas pendant que vous étiez aux affaires? Et de l'économie maritime aussi. Et de l'économie maritime, vous avez oublié. Pardonnez-moi, oui. Non, je vous en prie. Non, je pense que sur ce plan, lorsque j'ai été à la tête de ce département au Bénin, c'était 127 milliards en 8 mois de projets, d'infrastructures qui sont aujourd'hui les vestiges de ce que le régime peut montrer au peuple béninois et à l'extérieur. Donc je pense que aujourd'hui on a besoin d'une relance. Le Bénin a besoin d'une relance de son économie, d'une relance de sa santé financière, d'une relance de sa santé social. Sur tous les plans, le pays a besoin d'être relancé. – Vous voulez dire que pendant que vous étiez aux affaires, vous avez battu des records, c'est ça ?– Ah, j'ai battu un record au moins que personne, nul ne peut me contester aujourd'hui, c'est celui d'avoir fait… – La réalité ou bien il vous arrive de vous jeter des fleurs vous-même ? – Non, pas du tout. Tout le peuple béninois le sait. Pendant que j'étais aux affaires, aux côtés du président Yahi Boni, j'ai sorti en 8 mois, comme je vous le dis, plus de 127 milliards de francs CFA, de projets d'infrastructures, de routes, de toutes sortes de projets d'infrastructures. Et depuis, lorsqu'on montre, lorsque le gouvernement veut montrer les vestiges ou les réalisations des 10 ans, je fais partie du ministère qui est le plus cité. Mon ministère fait partie du ministère le plus cité pour les réalisations concrètes. Mais pour qui a regardé l'actualité béninoise ces derniers moments, ces dernières années, cette actualité a été marquée quand même par plusieurs crises. Hein, plusieurs crises. On a jeté beaucoup la pierre au président sortant, M. Boni Yahi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvaise foi aussi? S'il y a eu des crises répétées, c'est parce que la malgouvernance avait dépassé toutes les limites. La malgouvernance, ça se traduit par quoi concrètement? Par des tas de scandales financiers, économiques et financiers. Prenons par exemple le scandale ICC, prenons par exemple le scandale PPEA. ICC, c'est l'affaire de placement de fonds. Oui, tout à fait. Oui. Où les épargnants ont été grugés, tout le monde le sait. Oui, mais l'État n'en est pour rien, non, M. Senou? Comment l'État ne devait pas permettre ce type de financement parallèle? En tout cas, j'ai des proches qui ont épargné aussi, hein, mais l'État n'a pas demandé d'aller déposer de leurs fonds là-bas. Non, l'État ne demande pas, mais l'État est là pour contrôler. Attention, l'institution État est là pour surveiller que les finances et tout ce qui touche à la gestion financière privée doit se faire selon les règles de l'art. Or, cette fois-ci, les règles de l'art n'ont pas été respectées, M. Botton. Donc c'est en cela que, disons, ceux qui ont perdu, et il y a 857 milliards. Si on ajoute les intérêts financiers là-dessus, on parle de 200 milliards. C'est le plus gros scandale financier des temps modernes au Bénin. C'est inacceptable. Bien. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez dit que vous allez prendre les destinées de ce pays. Mais avant j'ai constaté une chose, M. Boutou, excusez-moi de vous interrompre. Laquelle, s'il vous plaît? C'est qu'en Afrique, d'une manière générale, lorsque vous voulez, disons, imprégner votre savoir-faire dans un pays, il faut être le numéro un. C'est la raison principale pour laquelle j'aspire à être le numéro un de ce pays. Pour laisser voir aux Béninois mes 25 ans d'expérience internationale en matière de finance et d'économie et de développement.
C'est pour ça que j'aspire à diriger ce pays, à imprégner ma marque sur ce pays. Mais une remarque, M. Sernou, c'est que dans le starting block aujourd'hui, on constate des acteurs divers, beaucoup d'acteurs de développement, des techniciens, des hommes d'affaires, mais on voit très peu les acteurs politiques de premier plan. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? Ah oui, mais ça, c'est le constat que tout le peuple béninois fait tous les jours. Mais comment vous l'expliquez-vous? Par la faillite collective de la classe politique, tout simplement. C'est si simple que ça, hein. La classe politique n'a pas été à la hauteur. Mais il faut situer les responsabilités. On aura le temps après les élections d'analyser et de situer les responsabilités. Mais je peux vous dire une chose aujourd'hui déjà. C'est que le peuple béninois est un peuple mûr. C'est ce qui me fait plaisir. Mais c'est ce que tout le monde dit pour caresser dans le sens des poils. Non. Je veux vous donner comme preuve les élections municipales et les élections législatives. Les législatives ont eu lieu 2 mois avant les municipales. Et je prends l'exemple le plus palpable. Pendant les élections législatives, le président béninois a voulu enfermer un acteur politique. Voilà. Et puis, nous nous sommes tous levés et nous nous sommes opposés à cet enlèvement de ce candidat. Le même candidat. Vous n'avez pas parlé d'enlèvement, vous n'avez pas parlé d'arrestation du tout. Vous parlez d'enlèvement. À cette tentative d'enlèvement. Oui. C'était une tentative d'enlèvement. Mais les faits incriminés, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous ne péchez pas en oubliant les faits qui sont incriminés, de qui on parle d'ailleurs pour la gouverne de nos téléspectateurs? On parle du député Candide Azianaï. Très bien. Si vous voulez qu'on l'appelle par fripon, un voleur. Pour que nos téléspectateurs arrivent à nous suivre correctement. Oui. Allons-y. Les faits incriminés, c'est qu'il y a eu outrage au chef de l'État. Mais personne n'en parle parce qu'on a voulu arrêter quelqu'un. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé pour dire c'est attention, vrai, on ne devrait non, pas parler là, comme là, ça là, d'une autorité de là, l'État. Là, M. Botton, vous touchez à un problème très sensible. Oui. Effectivement, ce monsieur aurait lancé, disons, un certain nombre d'invectives au chef de l'État. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter voir dans un État qui se respecte. Non, vous l'avez pas d'accord. Entendu le dire. Hein. Ah, moi, je l'ai dit aux enfants du président Yahya Boni. Il fallait le dire devant les médias pour tout le monde. Et comme ça, les téléspectateurs seraient aujourd'hui heureux de dire voilà quelqu'un qui n'accepte pas l'imposture. Monsieur Botton, oui, je vous en prie. Voilà ce que j'ai dit aux enfants du président Yahya Boni. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas apprécié ce qui a été dit à l'encontre de votre papa. Mais lui aussi n'avait pas à descendre aussi bas dans l'arène pour traiter le monsieur de voyou de Jonquet. Ça se dit pas de la... Ça ne doit pas sortir de la bouche d'un chef d'État. C'est impossible. Donc vous avez fait la part des choses. Oui, j'ai essayé de faire la part des choses. Mais seulement que vous n'avez pas parlé à l'intéressé lui-même, la candidate Azanaï. Bon. Vous auriez pu le faire, non? Je l'ai fait. Et il m'a écouté, mais il a répondu ceci. Il a dit, lui-même n'avait pas qu'à rentrer dans ma vie et dans une vie privée dans laquelle je ne me retrouve pas. Donc, vous voyez que je pense qu'il ne faut pas être le premier à provoquer le diable. Si vous provoquez le diable, tout est permis. Et c'est ce qui s'était passé. Alors, on va évoluer dans cette émission. Vous parlez de votre candidature tout à l'heure. Oui. Et certaines personnes estiment que ces derniers temps, ou depuis quelque temps, vous faites des sorties médiatiques, mais vous attaquez beaucoup le régime. Et on se demande maintenant, par rapport à votre candidature, est-ce que vous êtes candidat parce que vous êtes porteur d'un projet pour votre pays ou bien vous voulez vous venger d'un homme? Il ne faut pas être numéro 2, il faut être numéro 1. Mais on peut vouloir régler des comptes politiques. Le point focal n'est plus tellement le président Yahya Boni. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a essayé de bien faire, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'apporte? Moi, en tant que Richard Sernou, qu'est-ce que j'apporte pour que le pays se porte mieux? Qu'est-ce que j'apporte pour amener mon pays sur les rails? Qu'est-ce que j'apporte pour que les Béninois sentent que réellement, il y a un changement dans ce pays, il y a une évolution dans ce pays, que la pauvreté commence à reculer, qu'on commence à s'y attaquer, que la jeunesse béninoise retrouve, disons, son credo et commence à y croire réellement, que les femmes béninoises
avec la microfinance commence à se développer réellement. Monsieur Senou, aujourd'hui les candidatures sont lancées, on connaît plus ou moins ceux qui vont concourir, dont vous bien entendu, et le président Yahi Boni a clairement choisi celui qu'on peut appeler son dauphin. Apparemment, vous ne semblez pas accepter ce choix. Vous parlez même d'imposture du tandem Yahi Zissou. Qu'est-ce que vous appelez? J'ai été, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai été le premier Béninois à m'élever contre cette candidature. Bien entendu, j'ai été suivi un peu partout dans le pays parce que c'est quelque chose qui rencontrait l'agrément et la foi des Béninois, des vrais Béninois de ce pays. On va essayer de marquer une pause dans cette émission. Tout à fait. Le temps de revenir pour amorcer la seconde partie. Vous allez clairement décliner votre projet de société à nos téléspectateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Chers téléspectateurs, restez toujours avec nous. On vous revient dans quelques instants. Merci.